Tout le monde sait. On ne compte plus les appels des personnalités à sauver la planète. Celui fait récemment en France et qui réunit 200 personnalités suite à la démission de Nicolas Hulot fait pâle figure. Fait pâle figure à côté de celui de novembre 2017 qui réunissait 15 000 scientifiques de 184 nationalités différentes. Le rapport Meadows sur les limites de la croissance se rend trop juste, tandis que les conducteurs continuent plein gaz. Il y a des gens, la vie du jour est en train de disparaître en quantité et en diversité. La stabilité géopolitique, c'est-à-dire la paix à venir, est impossible si par exemple ne suffisent pas. Surtout si on continue à faire des pas en arrière. Ne retarde pas les échéances que nous avons. Il est criminel de répondre à ces échéances avec si peu de vrais actes. Nous avons besoin d'une remise en cause profonde de nos modes de vie. Et cela ne peut pas se faire si chacun attend que ce soit les autres qui commencent. C'est pourquoi nous sommes là.
Sur vos routes anciennes, les pavés sont tisés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde et les temps changent. Et vos gens de lettres, dont la plume est d'or, ouvrez tout grand vos yeux, car il est temps encore. La roue de la fortune est en train de tourner, et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les derniers d'hier, demain seront premiers, car le monde, elle est en change. Merci à Bob Dylan. Eh bien aujourd'hui, en 2018, on sait que les conditions nécessaires à la vie vont être supprimées. La planète court un danger mortel, et l'humanité avec surtout, parce que la planète va s'en sortir. Mais pas nous les hommes, qui avons besoin d'elle comme de notre mère, parce que c'est notre mère. Donc il faut agir. Il faut venir arrêter les camions qui cherchent du pétrole dans le nord du Béarn. Il faut arrêter les camions dans la vallée d'Aspe. Il faut arrêter les camions partout, en fin de compte. Et choisir la décroissance, la sobriété heureuse, la simplicité frugale, le partage, et on peut encore s'en sortir. Yes. Merci Eric. Merci. Ouais. Bon, mais je suis très, très heureux d'avoir participé à cette manifestation parce qu'il y avait plus de monde que d'habitude pour ce type de manif, pour les manifs altermondialistes. Et voilà, bonne ambiance, du monde, du beau temps, voilà, que du bonheur. Ton message pour la planète ? J'ai un message pour l'humanité. Je souhaite qu'enfin elle se réveille, qu'elle prenne. Donc ça ne suffit pas de prendre conscience, il faut passer à l'action. Quoi. Et toutes les actions sont bonnes à prendre, il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Il suffit juste de prendre soin de soi, des autres et de la planète, et au final on va y arriver. Voilà.